Issue d'un milieu bourgeois de la ville de Versailles, Marie-Claude Baumsel est passionnée par les animaux depuis son enfance passée au Chesnay. Elle a un père marchand d'articles de sport féru d'art contemporain, mère institutrice de gauche, naturiste. Elle intègre en 1969 l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Après avoir exercé quelque temps en milieu canin puis rural, elle s'envole pour la Centrafrique avec son mari. Lorsque le gouvernement de Bokassa décide l'expulsion des ressortissants étrangers, elle revient en France où elle obtient un stage au parc zoologique de Vincennes. Elle travaille ensuite au Jardin des Plantes de Paris, où elle dirige la ménagerie de 1981 à 1989 et de 2001 à 2004. Désormais, elle est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle au sein du département des parcs botaniques et zoologiques. Marie-Claude Baumsel, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, rédige 79 articles sur les mammifères pour le supplément, paru en mai 1999, de l'Encyclopédia Universalis.